Bonjour à tous, aujourd'hui on va faire juste un petit cours donc de robotique humanoïde et robots à pattes en général sur la génération de mouvements complexes, dynamiques, multi-contact, utilisant un modèle complexe, complet on va dire du robot, en supposant encore que le robot c'est un ensemble de corps rigides, qu'il n'y a pas de déformation, des choses comme ça. Donc sur ma génération de mouvements, en fait les objectifs c'est quoi? C'est on a un robot à un endroit, dans une configuration. On veut qu'il aille à un autre endroit. Quels sont les mouvements à faire au niveau des articulations? Quels sont les efforts de contact à appliquer pour l'amener à cet endroit? Donc il y a deux grandes catégories de méthodes pour faire ça. Il y a les méthodes qui se basent sur un modèle simplifié. Je détaillerai de ça dans une autre vidéo, hein. C'est voilà, on a le corps du robot ici avec tous ses centres de masse, ses inerties, etc., qui va être amené à simplement un centre de masse. Une certaine hauteur. Voilà, donc je détaillerai pas plus, je le ferai dans les prochaines vidéos. Ici, on va s'intéresser au modèle complexe, c'est-à-dire qu'on va considérer toutes les inerties, les masses, les centres de masse, etc. Donc l'avantage des modèles simplifiés, hein, c'est que bah, ils sont rapides, on a très peu de calculs à faire, donc on peut généralement s'en servir pour faire du contrôle en temps réel. L'inconvénient, c'est qu'on va ignorer beaucoup de limites du robot, les limites de collision, des choses comme ça. Et du coup, ça peut s'avérer un petit peu dangereux. Alors, ces avantages et inconvénients qu'on a au modèle simplifié, bah, c'est l'inverse, on va dire, sur les modèles un peu plus complexes. L'avantage, c'est qu'on va pouvoir garantir plus de choses. Bon, l'équilibre, évidemment, les limites articulaires, les limites en vitesse, les limites en couple, les autocollisions, des choses comme ça. En glissement également. Par contre, l'inconvénient, c'est le temps de calcul, qui est de plusieurs minutes, voire plusieurs heures, voire dans certains cas, plusieurs jours. Donc on va essayer de voir ça sur cette vidéo ici. Donc tout d'abord, il faut savoir qu'il y a plein de méthodes pour planifier ce qu'on appelle un chemin dans un environnement encombré. Donc j'en ai mis deux ici, hein, c'est le PRM, où en gros on va discrétiser l'espace, on va essayer de relier les états qu'on peut relier et puis trouver un chemin dans ces états-là. Et le RRT, où on va partir d'une position, on va construire un arbre jusqu'à ce que cet arbre il arrive à la position finale. Donc ces méthodes, elles marchent très bien, notamment sur le problème du piano, des choses comme ça, où il faut se... manœuvrer un objet dans un environnement encombré. Par contre, elle ne gère pas du tout la dynamique du système parce qu'on ne peut pas intégrer la dimension temporelle, le temps. Un chemin qu'on peut faire à une certaine vitesse, peut-être qu'à une vitesse plus élevée, donc avec un temps plus réduit, on ne pourra pas la faire. Donc il manque cette information-là, donc il faut faire appel à d'autres méthodes. Alors, dans une autre vidéo, j'avais traité la génération de posture. Donc, génération de posture, trouver des variables ici, la position, la force, le couple et des variables additionnelles qui vont vérifier un ensemble de conditions, donc minimiser un critère et respecter des contraintes inégalité-égalité. Et bah, dans le mouvement, en fait, ça va pas trouver une posture, ça va trouver des trajectoires articulaires, vraiment le mouvement ainsi que des trajectoires en effort, des couples et aussi des variables additionnelles qui vont respecter, qui vont minimiser un critère. Ça peut être le temps, la durée du mouvement, vu qu'il soit rapide. Ça peut être l'énergie, qui peut être assimilée au couple au carré ou avoir une formule un peu plus compliquée. Ça peut être ce qu'on appelle les jerks, c'est d'ailleurs la dérivée de l'accélération, pour avoir des mouvements fluides et qui seraient un peu plus proches que ce qu'aurait un humain. Et on va voir respecter des contraintes. Pardon, ici il manque les contraintes. Des contraintes inégalité, donc c'est inférieur ou égal à 0, et des contraintes égalité, égal à 0, sur des intervalles de temps donnés. Alors ces intervalles, ça peut être ponctuel pour certaines parties, mais en général, notamment pour l'équilibre, on veut qu'il soit garanti sur tout l'intervalle de temps, pour pas que le robot tombe. Donc en fait, la solution de ce problème, ça va être un ensemble de trajectoires continues. Une trajectoire à la continue en fonction du temps et qui respecte un ensemble de contraintes continues également en fonction du temps. En fait, ces deux espaces continus peuvent être vus comme un espace discret en fait de dimension infinie. Et c'est pour ça en fait que le problème de génération et de mouvement il est souvent appelé en fait le infinite programming problème. On a trouvé une dimension infinie de valeurs qui respecte une dimension infinie de contraintes. Alors ça, on n'a pas de solver, on n'a pas d'outil pour gérer ça. C'est pour ça qu'on va voir deux méthodes qui permettent en gros de un petit peu déformer ce problème pour pouvoir le résoudre.
Alors la première méthode, c'est la Direct Multiple Shooting méthode. Alors elle a une histoire, je ne vais pas faire tout le détail ici, hein, c'est pas le but. Voilà, si vous voulez, vous pouvez mettre des commentaires et j'essaierai de faire un truc un peu plus précis par la suite. C'est pas le but ici. On va combiner les avantages de deux méthodes. Donc en fait, cette méthode va définir un état X et une commande U du robot tel comme on a l'habitude de le voir en automatique, x point, donc la dérivée temporelle de x, de l'état, c'est une fonction de l'état actuel et de la commande du robot. Alors dans le cadre d'un robot humanoïde, là, on peut associer en fait ce modèle, enfin, cette représentation au modèle dynamique direct où on va avoir l'accélération qui va être liée par le modèle dynamique direct à la position, on va dire position et vitesse articulaire, ainsi qu'au couple et aux efforts extérieurs. Donc là, on va pouvoir avoir une accélération, etc. En fait, cette méthode-là, elle va d'abord commencer par discrétiser le temps. Donc là où tout à l'heure on avait x égale x point de t égale une fonction continue de x, de t et de t. Et bien là, on va avoir une version discrétisée où on a l'état à l'instant d'après, qui va être une fonction de l'instant d'après, et de l'état actuel et de la commande actuelle. On va définir une grille temporelle, donc un ensemble d'instants, on va regarder cet état. Et le problème, en fait, il va se transformer en trouver pour tous les instants de l'état, l'état et la commande, qui va minimiser notre critère, donc ça ne change pas. Vérifier nos contraintes inégalité, égalité, ça ne change pas. Et on va rajouter ce qu'on appelle la contrainte de continuité ici, qui est cette équation ici, qui permet de dire que l'état actuel, avec la commande actuelle, va nous donner cet état-là pour avoir une continuité sur cet état. Ça, c'est la méthode Direct Multiple Shooting. Donc, si on représente un petit peu ce qui va se passer pendant l'optimisation, parce que l'optimisation, comme on l'a vu dans l'ancienne vidéo, c'est itératif, hein, ça marche, on essaie de se rapprocher petit à petit de la solution, et au début, forcément, on n'est pas à la solution. Donc, on va partir d'un état, donc bon, ici, ils l'ont appelé S. Et en fait, on va, avec cette commande, arriver ici, et le but, c'est que ici, toute cette avancée-là converge à l'état suivant. Qu'on arrive à trouver la commande et l'état suivant de manière à avoir toute la simulation, enfin tout le comportement du robot tout au long du mouvement. Alors cette méthode elle fonctionne bien hein, pour les robots manipulateurs en général. Elle donne pas des bonnes performances pour les robots humanoïdes. Alors elle gère assez mal le fait que sur certaines configs on va avoir un contact et l'autre on va pas l'avoir. Donc on va avoir ce qu'on appelle des contraintes orthogonales. C'est-à-dire que si on a un effort, c'est qu'on a une vitesse nulle. Si on a une vitesse non nulle, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'effort. Donc on va avoir ces genres de contraintes-là qui vont être un petit peu difficiles à gérer. Le temps, ça va être très dur d'optimiser la durée du mouvement, parce que finalement, comme le problème il est figé, si on augmente le temps, ça va augmenter l'espace entre les échantillons. Et du coup, cette approximation de discrétisation sera moins vraie. Donc voilà. Donc c'est des méthodes. Alors il y en a beaucoup qui ont été publiées la génération de mouvements, on va dire, pour les robots manipulateurs. Pour les robots humanoïdes, il y a une autre méthode qui a été présentée. Donc pour avoir ce semi-infinite programming problème, on va faire une paramétrisation des trajectoires. C'est-à-dire que au lieu de trouver des trajectoires articulaires Q de t, on va essayer de trouver un vecteur x et une fonction de paramétrisation qui va nous permettre de calculer cette trajectoire. Donc là où l'infinite programming problème, ça va être de trouver les trajectoires articulaires, le semi-infinite problème, ça va être de trouver ce vecteur x de dimension finie qui va minimiser le même critère. Alors la formulation va être un petit peu différente en interne et qui va respecter toujours ces contraintes inégalités. Donc en paramétrant ces trajectoires, hein, l'espace de recherche part d'une dimension infinie continue, donc assimilable à une valeur infinie, à une dimension finie. Par contre, on a les contraintes telles qui vont rester sur un intervalle de temps continu. Et donc, on va obtenir un semi-infini programming problème, qu'on ne saura toujours pas résoudre. Mais ça, j'y reviendrai par la suite. Donc, le problème de la paramétrisation, en fait, c'est un mal pour un bien, parce que c'est le seul moyen qu'on ait pour passer d'un problème infini à un problème semi-infini. Par contre, en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va restreindre l'ensemble des mouvements possibles. Donc, si on prend ici, sur cette figure-là, tous les mouvements possibles, avec les mouvements infaisables, c'est-à-dire qui violent des contraintes, qui font tomber le robot, qui cassent le robot, qui font cramer des moteurs, etc.
Et en rouge ici les mouvements faisables. Et ben notre paramétrisation en fait, ben, ça va être un sous-ensemble de ça. Donc les mouvements qu'on peut paramétrer, ça va être un sous-ensemble de ça, de cette partie ici. Donc il y a des mouvements avec une paramétrisation, on ne pourra pas faire concrètement des mouvements. Bah, si votre paramétrisation c'est un polynôme, si vous avez une discontinuité dans l'accélération ou la vitesse, bah, on pourra pas la définir concrètement. Donc ces mouvements paramétrables là sont un sous-espace des mouvements total, faisable et infaisable. Et si on imagine que le mouvement optimal il est ici, et bah, c'est évident qu'avec en paramétrant on obtient cet espace ici. Donc au mieux on va se rapprocher, on aura peut-être une solution ici, mais on n'aura sûrement pas le mouvement optimal. On aura une approximation due à la paramétration de ce mouvement optimal. Alors ça peut même aller plus loin parce que finalement cette paramétrisation elle peut interdire l'existence de solutions. Si on a les mouvements faisables et les mouvements paramétrables bah, qui sont disjoints, on ne va pas pouvoir trouver de solution faisable à notre problème. Alors ça, vous allez me dire, ça n'arrive pas. On va faire un petit exemple tout simple. Si vous prenez un petit robot ici, 2 degrés de liberté, on va paramétrer les trajectoires, donc en premier ordre en fonction du temps, hein, un coefficient alpha. Alpha 0i plus alpha 1i fois t. Et je vais vous demander bah voilà, de faire que l'effecteur ici, il aille continuellement du point A vers le point B. Donc vérifiez que bah, Px c'est cette équation-là, Py c'est cette équation-là. Donc vous pouvez chercher tous les alphas que vous voulez. Vous n'arriverez jamais à avoir des alphas qui vérifient qu'à chaque instant, bah, cette contrainte-là, elle est validée. On retrouve bien ici que le mouvement paramétrable est complètement disjoint des mouvements faisables. Alors faisable, sous-entendu, pour une tâche. Voilà. Donc cette paramétrisation, bah, il faut essayer de bien la faire, bien la choisir. Et je vais vous donner deux petits exemples juste après. Donc là, l'idée, voilà, c'est quelle méthode on va faire. Alors on va dire, on va faire, bah, ça va pas se prendre la tête, hein. On va mettre en place une paramétrisation polynomiale d'ordre n. On va choisir un polynôme d'ordre n et puis on va choisir des paramètres, etc. Alors, quand on a des petits mouvements avec des petits temps, des petits polynômes, ça doit pouvoir marcher. Par contre, quand on va commencer à augmenter, en fait, on va avoir un problème d'optimisation qui sera mal conditionné, on appelle. Parce que finalement, ces paramètres, ils n'auront pas le même poids. Le poids du premier coefficient, alors si on imagine un mouvement qui va entre 0 et 1, par exemple, entre 0 et 1 seconde, bah, le premier coefficient, bah, lui, il aura toujours le même poids. Et si je regarde bah pour un temps 0, 1 seconde, par exemple, si je regarde la première contrainte, ce coefficient alpha ni, il sera multiplié par 0,1 puissance n, donc ça va faire quelque chose de très petit. Donc on va avoir des trucs qui seront un petit peu bizarres. On n'aura pas les mêmes coefficients. Les gradients, bah, finalement, si je regarde une contrainte un instant, elle va dépendre de ces n paramètres pour une articulation. Alors si j'ai m articulation, ça va dépendre des n fois m paramètres. Du coup, on aura une matrice de gradient pour le solveur qui sera pleine et ça ne va pas l'aider à trouver une solution. En plus, on aura des problèmes de précision numérique, des choses comme ça. Donc, vraiment, c'est à éviter. Donc, les méthodes que je vais vous présenter après hein, utilisent généralement des trajectoires qu'on appelle les trajectoires de type B-spline. Alors, qu'est-ce que c'est une B-spline? Ça va être en fait les trajectoires articulaires. Ça va être une somme pondérée par des coefficients alpha, i, k de fonctions de base bk. Donc, est-ce qu'on fait un petit peu de définition? Ces coefficients alpha, on appelle ça les points de contrôle de la trajectoire. Bk, c'est les fonctions de base des B-splines. On va expliquer un petit peu après ce que c'est. Généralement, on les prend d'ordre 3. Alors, on peut choisir l'ordre. En général, l'ordre 3, ça marche plutôt pas mal. Et en fait, ces fonctions de base, elles vont ressembler à ça. Donc, ici, vous en avez une première, ici, une deuxième, une troisième, une quatrième, une cinquième, une sixième et une septième. Ici, vous avez sept fonctions de base. D'accord? Donc notre trajectoire QI de T, ça va être un coefficient fois la première, plus un coefficient fois la deuxième, et comme ça on va pouvoir construire notre trajectoire. Donc en fait, quand on va faire l'optimisation, on va prendre ces points de contrôle, et ça va être nos variables d'optimisation. On peut aussi rajouter la durée du mouvement dans les variables d'optimisation, ce n'est pas gênant. En général, on ne se prive pas pour le faire, hein, histoire d'avoir vraiment le mouvement le plus adapté pour faire ça. Donc, quelques petites propriétés alors qui vont expliquer, je vais tenter d'expliquer pourquoi en fait c'est sympa d'avoir des B-splines. Alors, les fonctions de base, en fait, ce que je vous ai montré tout à l'heure, hein, ça peut être construit suivant la récurrence de Cox-Debourg.
Vous pouvez aller voir sur Wikipédia, c'est une petite formule, elle n'est pas très dure à implémenter, elle marche plutôt pas mal. Et en fait, elles ont une propriété, ces fonctions de base, c'est que la somme des fonctions de base est égale à 1. Donc ça a l'air de rien comme ça, mais finalement, de cette propriété-là, en fait, on va pouvoir déduire une propriété plus importante. C'est que si on prend tous les points de contrôle, eh ben, la trajectoire QI de T va être inclue dans l'enveloppe convexe des points de contrôle. C'est-à-dire que si on veut connaître bah, le min et le max de cette trajectoire, et bah, il suffit de prendre le min et le max des points de contrôle pour avoir ça. Donc ça va être assez intéressant, vu que nous, en fait, on va paramétrer ces coefficients-là vont être nos paramètres d'optime. On va tout simplement pouvoir dire que, vu que nous, on veut paramétrer, enfin, contraindre les trajectoires articulaires entre bah, rester entre les butées, et ben on n'a qu'à tout simplement contraindre ces coefficients alpha à rester dans les butées. Alors je vais faire une petite aparté ici. C'est le fait que ces coefficients-là, ces coefficients alpha restent dans les butées, ça va impliquer que la trajectoire reste dans les butées. La réciproque n'est pas vraie. C'est-à-dire qu'on peut très bien trouver une trajectoire QI de T qui va rester dessus avec des coefficients qui en sortent. Voilà, c'est encore une fois une approximation. Ici, on va gérer ses butées pour pouvoir gérer ses butées, on va dire, pour que ce soit facile à résoudre au niveau optimisation. Encore une fois, rien qu'à écrire ça là, on va encore s'enlever des mouvements qu'on va pouvoir faire, parce que finalement, ces mouvements qui respectent les conditions des butées, c'est peut-être un mouvement qui a un coefficient qui est en dehors de ces deux limites, mais où la trajectoire resterait là. Donc encore une fois, cette paramétrisation, elle nous rend service, elle permet d'avoir des algos d'optime, qu'on peut utiliser des algos d'optime assez performants. Par contre, elle nous limite voilà, l'ensemble des mouvements possibles pour le robot. Donc les bespins, elles vont, ce que j'ai dit, hein, réduire l'espace des mouvements possibles. Hein. Mais elles vont nous permettre en fait que finalement tous les points de contrôle ils aient le même poids au sens de l'optimisation. C'est-à-dire que chaque point va impacter de manière égale en fonction par exemple de la durée, etc. Ben, les contraintes et les critères. Et on va pouvoir aussi localiser l'impact des points de contrôle sur une partie du mouvement. Donc ça, je m'explique tout de suite. Si en fait on a défini un mouvement en plusieurs phases, on peut définir soit des fonctions de base sur tout ça, soit dire bah voilà, on a une phase de contact, on va mettre des fonctions de base, on va une deuxième phase, on va mettre des fonctions de base. On va juste se garantir ici qu'il y a des contraintes pour la continuité et on va pouvoir trouver ça. Mais ce qui est intéressant, c'est que si vous regardez sur un intervalle de temps, par exemple ici, donc là j'ai je sais pas combien, peut-être 20 fonctions de base, donc 20 coefficients pour une trajectoire. Si je viens regarder sur un intervalle ici, finalement il n'y a que 1, 2, 3, quatre fonctions de base qui vont intervenir. Ce qui veut dire que au lieu d'avoir des dérivés, des gradients, soit des contraintes ou du critère par rapport à 20 coefficients, je vais avoir des dérivés non nuls seulement pour quatre coefficients. On va avoir un gradient, notamment pour les contraintes, qui va être sparse, ce qu'on appelle, c'est-à-dire avec beaucoup de trous. Et l'algo d'optime va pouvoir profiter en fait de cette sparsité, on appelle en anglais, donc de ces trous dans cette jacobienne, dans cette matrice des gradients, pour pouvoir aller plus vite, parce qu'il n'aura pas à refaire les calculs justement à chaque fois. Voilà, donc ça c'était un petit peu, on va dire une parenthèse, peut-être un peu longue, sur la paramétrisation. Maintenant on va voir un petit peu comment on va pouvoir gérer les contraintes continues. Donc la méthode, on va dire intuitive, qui marche plutôt pas mal hein, dans la plupart des cas, ça va être de discrétiser suivant une grille temporelle. C'est-à-dire que les contraintes continues, quel que soit i, quel que soit t, de 0 à t, on va pouvoir les remplacer par des contraintes discrètes. Donc, quel que soit TD appartenant à un ensemble de valeurs, y compris entre 0 et T, on va vérifier que ces contraintes, elles sont bonnes. Donc, on va en fait regarder à certains instants ici que les contraintes sont bonnes. Ça marche plutôt pas mal dans la plupart des cas. Hein. Donc, en 2006, vous avez Sylvain Mieussec qui a fait des expériences avec HRP2 de mouvement dynamique en utilisant cette méthode. Donc, je vais vous montrer une petite vidéo ici. Donc on a le début du mouvement, donc l'optimisation commence quand il est ici. Et voilà, c'est tout ce mouvement-là qui est optimisé. Et on voit quand même que c'est un mouvement qui est pas mal dynamique, ce mouvement de coup de pied. Si on regarde ici au niveau de la cheville ce qui se passe pendant la manip, donc normalement cette partie-là ne bouge pas. Et on voit ici que la cheville se déforme pas mal. Alors on a un système
d'amortisseurs ici au niveau de la cheville hein, pour réduire l'impact des chocs. Mais voilà, globalement, c'est un mouvement très dynamique et bah, la méthode de discrétisation des grilles, elle marche plutôt pas mal. Par contre, elle a une petite limite, cette méthode, c'est qu'on prend la courbe continue, on la discrétise sur une grille, bon, ça va très bien. On suppose finalement l'algo d'Optime, il a conscience, lui, on va dire, si on peut parler de conscience d'un algo, il est au courant, on va dire, que de ces points-là, il ne sait pas du tout ce qui se passe. Alors pour l'algo, si on a mis les limites de l'équilibre ici, bah, il n'y a pas de problème, hein, les contraintes sont satisfaites. Par contre, si on prend la courbe continue, on voit ici qu'entre les instants d'échantillonnage, eh ben, on va avoir des violations des contraintes qui vont provoquer. Alors ici, c'est le ZNMP, donc c'était une manip sur un pied, manip de kicking, donc le ZNMP suffit. Donc on va avoir ici une chute vers l'arrière du robot. Et on peut voir ici que, en effet, bah, dès le début du mouvement, le robot chute vers l'arrière. Donc en fait, pour résoudre ce problème, Langagne a proposé une méthode bah, qui va utiliser une grille d'intervalle de temps. Donc toujours les contraintes ici vont être remplacées finalement par, on va couper un intervalle de temps ici, et on va essayer de trouver le min et le max sur cet intervalle de temps. Et du coup, on va contraindre le min et le max à rester dans les bornes, et du coup, on n'aura pas de problème de violation des contraintes. Alors, il a fait ça avec un outil qui s'appelle l'analyse par intervalle. Je ne vais pas détailler ici. Et on peut voir ici que bah, le mouvement de coup de pied, enfin ici c'était un avancé de pied, se passe sans problème. Donc ça a été bah, publié dans sa thèse. Alors, on a un gros problème, hein, c'est que ce problème, enfin c'est que cette méthode-là mettait à peu près 30 heures à faire un calcul pour un mouvement de 0,6 secondes. Donc on a un ratio pas vraiment égal à 1. Hein. C'était super lent. Donc il y a eu d'autres méthodes qui ont été proposées depuis. Donc la méthode, c'est de faire, pour résoudre ce problème, c'est de faire une approximation polynomiale. C'est-à-dire qu'au lieu de chercher une min et max bah, sur un intervalle, on va essayer d'approximer ça avec un polynôme. Dans les travaux qui ont été publiés là-dessus, c'est un polynôme d'ordre 5, hein, si je me souviens bien. Donc d'essayer d'approximer ces contraintes inégalité et égalité avec un polynôme. Les coefficients de ce polynôme vont dépendre évidemment des coefficients. Des variables d'optimisation qu'on va chercher à trouver. Donc en fait, cette approximation va permettre de gérer les contraintes égalité. On va imposer bah, que tous les termes en temps sont nuls ou à peu près nuls, et bah, que le terme qui ne dépend pas du temps est égal à la seule valeur qu'on souhaite, ou on peut le laisser libre si on veut juste définir que le contact ne bouge pas, par exemple. Les contraintes inégalité, alors, comme on a des polynômes, en fait, on peut se rapprocher à calculer quels seraient les points de contrôle équivalents pour des bespleen et à utiliser la même astuce que bah, pour les bornes, c'est-à-dire que on a les polynômes, on trouve les points de contrôle, du coup, les points de contrôle permettent de nous donner le min et le max. Alors ça va beaucoup plus vite que l'analyse par intervalle et ça permet bah, de gérer les contraintes inégalités. On peut aussi bah, avoir des contraintes sur les dérivés. On veut imposer une vitesse nulle, mais pas forcément une position spécifique, donc on peut rajouter des contraintes là-dessus. Donc ça a été évalué expérimentalement bah, sur des mouvements, bah, si ça va être un mouvement de coup de pied, donc en simple support pour l'instant, mais on a demandé à ce que la main droite du robot ne bouge pas. On va pouvoir voir ici que bah, le mouvement voilà, permet bah, de frapper dans le ballon, et tout en gardant la main droite qui est à peu près constante. Alors elle bouge un petit peu, c'est dû aux flexibilités de la cheville, comme tout à l'heure. Comme on a vu tout à l'heure. Donc maintenant, bah, comment on va pouvoir faire gérer les calculs d'efforts, notamment pour aller gérer des appuis multicontacts. En simple support, hein, les efforts de contact qui sont uniques pour un mouvement, l'équilibre, on va le traduire par le ZNMP. Ça, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'effort interne. Donc ça, on a le mouvement, on a des efforts, on sait déqualifier l'équilibre. Pour un mouvement multicontact, en fait, les efforts de contact, ils ne vont pas être uniques. Pour le même mouvement, ça va vraiment dépendre des efforts internes et bah, ça va être difficile de paramétrer tous ces efforts hein, parce qu'on a une contrainte égalité forte, on a un mouvement qui est dynamique. Comment on paramètre les contraintes hein? C'est le même exemple que tout à l'heure avec le petit robot à 2 degrés de liberté qui devait faire un trait. Hein. Et ben on va avoir un problème de paramétrisation de ces contraintes-là. Donc, ce qu'on peut faire, c'est on va dire on va paramétrer tous les efforts de contact. Sauf un,
Et finalement, bah, cet effort-là, ça va être l'effort résultant. En gros, ça va être ce qui reste. Ça peut marcher. Alors, c'est les expériences ont prouvé que c'était pas hyper fiable. Ça mettait un peu de temps. On peut en fait paramétrer aussi la répartition des efforts, ce que je vais vous présenter juste après, qui a été présenté dans le papier qui est marqué en dessous. Avec sa méthode en fait de génération multicontact, il y a un problème, c'est que bah, il faut connaître la séquence des points d'appui. Et pour connaître cette séquence des points d'appui, je vous renvoie à la vidéo d'avance sur la génération de posture, où à la fin de la vidéo, il y a une petite démo sur la génération de séquence de posture. Voilà, donc on suppose qu'on connaît les contacts, on connaît où doivent être placés, etc. Donc pour représenter l'équilibre, enfin le modèle dynamique inverse, on a cette forme-là. Avec DA, DV, bah, les effets dynamiques qui sont liés sur les articulations virtuelles et actives. La jacobienne, un petit peu comme tout à l'heure sur les couples, etc. Et en fait, bah, l'équilibre, il va être traduit bah, par la deuxième ligne ici. On va avoir du coup un vecteur 0 de taille 6 qui doit être égal aux effets dynamiques du mouvement, les effets dynamiques du mouvement sur les articulations virtuelles et la jacobienne des efforts de contact. Et on veut que bah, les forces de contact soient enfin, soient dans le cône de frottement. Donc en fait, ça n'a pas qu'une seule solution. Donc on pourrait écrire une espèce de pseudo-inverse, etc. C'est un peu ce qu'ils ont fait là. En fait, ils ont fait une pseudo-inverse pondérée. Donc, on construit une matrice oméga qui va être la somme de J transpose I, gamma I, JI. Ça va nous donner une matrice 6, 6. Ce gamma I, finalement, ça va être une matrice diagonale avec 1 sur bêta alpha, 1 sur bêta alpha, 1 sur bêta. Et les efforts de contact, on peut les retrouver en écrivant que c'est égal à moins gamma I, JI, oméga moins 1 fois DV. Donc ça, c'est, on va dire, le détail mathématique. Je vais très vite dessus, c'est pour expliquer l'esprit. Alors, l'esprit, c'est voilà, on va avoir la contrainte égalité qui va être assurée. Donc, on va trouver des efforts de contact qui compensent la dynamique. Et on va avoir la contrainte de frottement et de unilatéralité qui va être encouragée. On va essayer d'avoir des contraintes de frottement les plus proches possibles du cône, enfin, le plus intérieur possible du cône, mais il n'y a pas de garantie, donc il faudra quand même aller les vérifier. Alors, si on écrit bêta i égale alpha i égale i1, on va tomber sur la pseudo-inverse. Et en fait, en écrivant alpha i égale 100 et bêta i égale 1, et bêta i en fait égale 1 ou fait partie des variables d'optimisation, on va essayer de minimiser davantage l'effort tangentiel par rapport à l'effort normal. Donc ici, on peut dire, alors soit on les impose, on peut mettre 1, ce qui a été fait dans certaines manips, soit on dit bah, bêta i, écoutez, hein, pour cette phase de contact-là, c'est une constante, ou on peut aussi dire que c'est une évolution temporelle, mais qui va faire partie des variables d'optimisation. Donc il y a eu des résultats expérimentaux sur cette approche. Donc des mouvements de marche, donc sur une marche d'à peu près 15 cm de haut. Donc là, oui, les méthodes classiques, ZMP, etc., qui utilisent des modèles réduits, y arriveraient. Par contre, on voit quand même bien ici bah, le mouvement des bras. Mouvement corps complet pour résoudre ça. Donc cette méthode peut également faire des choses bah, que les méthodes simples savent faire, alors peut-être avec un peu plus de temps. Ici, un deuxième mouvement où en fait le robot, on voit pas très bien, là, il y a une balle dans la main, dans sa main gauche, donc il va devoir prendre appui sur la table pour venir poser la balle dans la caisse. Donc ça, en fait, s'il pose pas l'appui, bah, globalement, il aura quand même beaucoup de mal, il faudra qu'il s'agenouille, enfin qu'il s'accroupissent vraiment beaucoup pour aller faire ça. Donc on voit ici l'utilité d'avoir des appuis autres qu'avec les pieds sur le sol. Des manips, donc ils ont également fait des manips avec des environnements encombrés. Donc là le robot devait bah, on va dire naviguer entre le bureau et la chaise pour venir s'asseoir sur la chaise. Donc oui, on pourrait se poser la question pourquoi un robot doit s'asseoir sur une chaise. Imaginons qu'il n'y ait plus de batterie, tout simplement. Et ici ils ont fait une petite manip où ils ont reproduit, on va dire, une fragilité. Donc, pour notamment peut-être aller étudier ce qui se passe chez l'humain, c'est-à-dire que le coupe du genou, de l'articulation du genou ici, était limité à 60% de sa valeur à peu près, si je me souviens bien. Et du coup, avec ce formalisme-là, ils ont pu générer des mouvements. Voilà. Donc, c'est l'articulation gauche, on voit un peu quand il est sur l'articulation gauche, il a pris son élan. Et du coup, on a réussi à voir ça. Alors, si vous pouvez aller voir le papier, hein, il y a les courbes de couple et on voit vraiment une distinction entre le couple du genou gauche et du genou droit. Voilà.
Donc voilà un petit peu, la vidéo était un petit peu longue, je suis désolé. Il y avait beaucoup beaucoup de choses à dire, j'ai essayé de raccourcir au maximum. J'espère que ça a été assez clair. Et puis je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.